Salut à tous, aujourd'hui nouveau tutoriel qui sera sur les transitions. Donc on va voir les différents types de transitions que l'on peut réaliser entre deux séquences vidéo. Donc première partie du tuto, le tournage. Donc qu'est-ce qu'il faut faire comme plan pour ensuite réussir ces transitions. Et la deuxième partie, le montage. Donc sur le logiciel, on verra qu'est-ce qu'il faut faire pour finaliser sa transition. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour la troisième transition, qui est un peu un mélange des deux qu'on a vu précédemment. Donc le but va être de se fixer sur une couleur. Donc moi ça sera la couleur verte, donc la couleur de l'herbe, et de créer un tout petit flou. Donc pour les réglages de la caméra, plutôt garder les réglages de la transition 2, c'est-à-dire mettre un nombre d'images par seconde très très bas, le plus bas possible. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, ce que vous allez faire aussi, c'est que vous filmez votre scène. Ensuite vous fixez sur une couleur que vous pouvez retrouver ailleurs. Donc moi ça sera l'herbe. Vous allez aller très près sur cette couleur et en même temps créer un tout petit flou. Donc voilà, je vais vous le montrer en faisant l'exemple, ça va être plus simple pour comprendre. Donc voilà, vous commencez donc votre scène. Vous donc filmez ce que vous avez à filmer, donc voilà, moi ça sera comme ceci, voilà. Et ensuite vous jetez sur votre objet tout simplement en créant un petit flou, en vous fixant bien sur la couleur. Donc je filme, voilà, je vous montre. Et on se jette. Hop. Voilà. Donc là voilà, c'est fait pour la première scène. Maintenant donc, vous changez, vous pouvez arrêter bien sûr cette séquence. Vous changez d'endroit. Donc moi j'ai changé d'endroit aussi. Donc voilà, une fois que vous avez changé d'endroit, vous pouvez commencer à filmer et vous commencez cette fois-ci par votre transition. Donc c'est parti, moi je vais commencer par érafler l'herbe. Voilà, donc c'est parti. Hop, et en film, on finit par notre plan qu'on veut filmer. Voilà, et vous pouvez arrêter. Donc voilà, une fois que vous avez fini vos deux séquences, vous pouvez passer à la partie montage qu'on va voir tout de suite. C'est parti. Et on se retrouve pour la partie montage de cette troisième transition. Donc une fois que vous avez récupéré vos deux séquences vidéo, vous les ouvrez dans votre logiciel de montage. Donc logiciel de montage, peu importe le logiciel, il faut qu'il ait juste l'option couper. Donc qu'on puisse couper à n'importe quel endroit de la vidéo. Pour cette troisième transition, il va falloir trouver l'endroit où vous jetez sur votre couleur. Moi le vert, hop je me jette et en même temps ça crée un petit flou. Donc on va trouver un endroit sympathique dans l'herbe. Donc là vous voyez que c'est pas mal. On peut même se mettre un peu plus loin. Faut vraiment trouver que le beau vert est un peu flou. Donc on va prendre cette image par exemple. Voilà. Hop, on coupe et on supprime tout ce qu'il y a après. Ça nous intéresse pas. Donc on peut regarder. Hop. On se jette. Hop là. Et il n'y a plus rien. Maintenant, on prend notre deuxième séquence vidéo, donc c'est sûr, et on cherche l'endroit où est-ce qu'on se jette. Voilà, ici. Et donc là, c'est très simple. On va faire pareil que la première séquence. Hop, pause. On va s'avancer un peu dans l'herbe et on va essayer de trouver une image. Là, vous voyez, c'est trop sombre. Vous voyez, il y aurait trop un choc entre cette image et cette image. Vous voyez, trop sombre. Il faut vraiment faire gaffe à la lumière, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, encore pire. Ce qui est le plus important, on avance, là je suis limite sorti là, c'est pas... peut-être avant alors, ah là on est pas mal. Voilà, on va prendre cette île. Hop, on coupe, on supprime donc tout ce qu'il y a avant cette fois-ci, on rassemble les deux, et voilà, la troisième transition est terminée. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour des nouveaux tutos, et moi je vous dis à plus, allez, salut.